Deux fois par semaine, après le travail, elles se retrouvent au studio municipal de Saint-Ouen. Dans la vie, elles sont secrétaires, employées ou étudiantes. Sous la direction d'une monitrice, elle travaille à la barre, comme les petits sujets de l'opéra. Puis, le professeur de bâton apprend à certaines d'entre elles les subtilités du moulinet. Déjà, elles sont capables d'éclipser le plus expert des tambours majeurs. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Pour leur première sortie, les majorettes de Paris se sont taillées un vif succès. Pas de fanfare, mais dans les parages, il y a toujours un monsieur qui promène négligemment un magnétophone portatif doté d'un minuscule émetteur. Dans leur shako, les majorettes portent des récepteurs miniatures. Formé il y a quelques mois, le groupe est maintenant au point. Elles sont disponibles pour tout gala, fête, carnaval et réjouissance. Mais attention, en bloc, et elles sont 28. Gageons que si la chose était possible, beaucoup reprendraient du service.